Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mehdi Daoudi. Je suis le PDG et cofondateur de Catchpoint, le spécialiste du Digital Experience Monitoring depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Je suis navré de ne pas être avec vous à Paris. Je suis aussi désolé, mon français est un peu rouillé, alors pardonnez-moi. Eric, merci beaucoup pour votre introduction. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les utilisateurs et consommateurs demandent une expérience digitale sans compromis. C'est une réalité pour tous les secteurs, y compris le secteur du luxe. Le marketing mix du 21e siècle doit incorporer le 5e ou le 8e P. P pour performance, la performance digitale. C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons se mettre d'accord sur un point. Le point, c'est que ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Je pense que tout le monde est d'accord. Vos consommateurs ont changé. Une nouvelle génération est là, la génération Z. Elle est aussi liée à la réalité du digital. Covid nous a montré que les consommateurs rêvent de Rolex même pendant une pandémie globale. Ces nouveaux consommateurs et clients du luxe ont été éduqués par Amazon, Google et Alibaba. Il ne faut surtout pas l'oublier. Ils sont impatients, très impatients. Ils ne pardonnent pas. J'ai un exemple à vous montrer. La Chine. Un marché dont toutes les marques du luxe rêvent de pénétrer. Vous investissez des milliards d'euros par an. Je vais vous montrer ce qu'un utilisateur à Pékin a expérimenté en lançant Cartier.cl. Moteur. 5 secondes, toujours rien. 10 secondes, toujours rien. Ah, un changement. Voilà, on est arrivé. 28 secondes. Il a fallu 28 secondes pour que l'utilisateur à Pékin puisse avoir téléchargé la page Cartier.cl et qu'elle soit interactive. Délivrer une expérience en 30 secondes, c'est inacceptable. Aucun utilisateur ou utilisatrice va attendre 30 secondes. Je vous le dis tout de suite. La raison pour laquelle il y a eu une lenteur de téléchargement du site web, c'est à cause d'une third party sur le site web de Cartier, Sprinklr, qui ne marche pas à partir de la Chine. Les pannes, ça arrive à tout le monde, évidemment. Google, Amazon, Meta, tout le monde y passe. Mais il faut savoir que il y a un impact réel sur votre business. Une seconde de délai peut vous coûter jusqu'à 7% en termes de clientèle. 88% des visiteurs web ne viendront plus après une mauvaise expérience. La performance est importante, surtout quand vous savez que vos clients, vos utilisateurs sont partout. Ils peuvent être sur un portable, sur un ordinateur, dans un avion, à Dubaï ou à Pékin. L'Internet est en train de devenir de plus en plus complexe, surtout maintenant qu'on a rajouté une couche, une extra couche de complexité avec le cloud. Évidemment, il y a une façon très simple de voir tout ça, des utilisateurs, l'Internet et des serveurs. Mais sous une loupe, c'est un peu plus compliqué que ça. Délivrer une page web, une application, un utilisateur, un consommateur, c'est très compliqué. Car on dépend de tellement d'acteurs, les réseaux, les CDN, les cloud vendors, les sociétés de sécurité, les sociétés de pub, etc., etc. Délivrer une page web, c'est finalement comme une chaîne d'assemblage de voitures. Et comme une chaîne, il faut se rappeler d'une chose. Une chaîne n'est aussi solide que son maillon le plus faible. L'exemple de Cartier nous l'a montré. Le plus gros problème avec nos clients quand on commence à travailler avec eux, c'est qu'ils sont généralement aveugles des problèmes qu'ils peuvent avoir à travers le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on s'engage avec eux pour améliorer leur visibilité au niveau des expériences digitales. C'est ce que nous faisons depuis 10 ans, en fait. C'est de pouvoir, nos outils leur permettent d'observer et de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de l'utilisateur. Que ce soit au niveau des réseaux, au niveau des applications, au niveau des autres services. Et on fait ça à travers
le plus gros réseau, le plus grand réseau de clients mystères digitaux. Nous avons 1300 robots à travers le monde qui constamment peuvent vous donner des alertes sur les expériences digitales. Et nous travaillons avec les Digital Titans, les titans du digital. Ces sociétés-là, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux pour améliorer leur expérience digitale. Nous les aidons évidemment à délivrer les meilleures expériences digitales au monde, protéger leurs marques et leurs images. Nous assurons la performance, la fiabilité, la disponibilité, l'accessibilité de leurs sites et de leurs applications. Nous ne faisons pas que mesurer et détecter en temps réel les problèmes. Nous les aidons à améliorer leur performance à travers un travail d'équipe très poussé.